Salut à tous, c'est Thomas Kahn, on est sur En Vrai et je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait avec Pure Capture l'an dernier. Pure Capture, c'est quoi finalement? C'est on vient en groupe avec ses instruments, sa guitare, sa batterie et on se pose en pleine nature pour jouer un morceau et l'enregistrer en live dans ce lieu qui est complètement atypique. Ça fait un rendu qui est super classe. Alors ce qui était impressionnant, c'est que c'était enregistré en direct et il y a même à un moment donné la police du collège gendarmerie qui a débarqué pour dire « Mais les gars, vous êtes en train de faire quoi ?» Il y avait une bagnole avec un groupe électrogène, des câbles de tirettes partout, on était en pleine forêt, ça faisait du bruit, ils ont cru que c'était une rave party. Et non les gars, on était juste en train de faire un clip dans une forêt et c'était trop bien. So many times I used to try to picture you in my mind and the surreal moment my world my love my little boy. Posé au milieu de ces arbres dans cet environnement malade, il y avait vraiment une espèce de sérénité, il y avait vraiment un calme, il y avait une vraie beauté en fait dans le lieu dans lequel on était. Et chanter cette chanson là, My Little Boy, que j'ai écrite sur mon fils, ça a vraiment redonné une vraie dimension à la chanson, ça a vraiment redonné de l'espace. Moi j'ai passé un moment comme dans du coton, tu sais, c'était vraiment chouette. Ce qui fait que maintenant, dès que j'attaque cette chanson sur scène, je ferme les yeux et je me réimagine dans cette forêt là et bon, le calme s'installe et on peut commencer la chanson doucement et pff, c'est trop classe. C'était un vrai beau moment quoi. De jouer sur scène, en fait, le rapport au public est hyper important et complètement dingue. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier, hein, c'est pour le rapport aux gens. Mais je pense qu'en amont, avoir vraiment cette sensation de jouer ces morceaux dans des lieux atypiques et de pouvoir, avant de les commencer, tu vois, se mettre dans l'état d'esprit, se rappeler cette pièce, se rappeler cet endroit finalement qui nous a amené à faire cette chanson, qui a redonné une dimension à cette chanson, ça pourrait vraiment redonner... donner plus de puissance aux morceaux quoi, et te permettre de donner encore plus aux gens quoi. Donc c'est vraiment une expérience à vivre. Je vais pas te mentir, mais la version qu'on a faite dans cette forêt est franchement presque mieux que la version qu'on a enregistrée pour l'album. T'as une cohésion qui se fait, t'as vraiment un vrai échange qui se fait, t'as des beaux souvenirs qui se créent avec ces lieux-là. Donc si c'était à refaire, avec plaisir quoi. Mais je pense que, honnêtement, je vais y réfléchir pour la suite, pour le prochain album, c'est sûr même.